Mais aussi, mais encore, tour de chauffe. Alors, Alain Teller et Éric Gendry, Monaco, il n'y a pas mieux, quoi. Monte Carlo, c'est le lieu pour la course automobile. En tout cas, en Formule 1, chaque année au mois de mai, et puis en hiver, le rallye de Monte Carlo. Mais tous les étés, Stéphane, moi, je quittais mon sud-ouest natal et j'allais passer mes vacances entre Nice et Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et c'est là que, bon, dans les voitures décapotables, j'écoutais les émissions radio de José Sacré. Et toute mon enfance a été baignée par cette atmosphère où on était donc à deux lignes droites, une chicane et trois épingles à cheveux, en fait, de Monaco et de Monte Carlo. Et donc, c'était fabuleux. C'est là où j'ai fait cette immersion dans les bandes dessinées de Michel Vaillant. Et je suis ravi de retrouver cette atmosphère de stands, ces odeurs d'huile de ricin. Vous êtes un peu le candide, au fond, parce que le spécialiste, c'est Gendry. Le spécialiste, parce que moi, en fait, j'ai longtemps conduit sans permis de conduire. Et mais ce qu'on a vu, on a reconnu la semaine, en effet, l'homme qui freine souvent. Éric, lui, a failli accrocher un volant et a failli faire une carrière de pilote. Quel sera votre... Non, mais je sais qu'il ment comme un arracheur dedans, mais quel sera votre rôle dans l'émission, Éric? Notre rôle, ce sera un peu de parler de l'activité générale du sport automobile sans aucun interdit, sans aucune limite de temps. Tous les sports automobiles, Formule 1, rallye... Tous les sports automobiles rallye, et motos. Tous les sports mécaniques, ouais. Sans aucune limitation de temps, c'est-à-dire que quand l'actualité du sport automobile le justifiera, on pourra faire une émission longue de 2 heures, et dans certains autres cas, notamment pendant l'hiver où il ne se passe pas grand-chose, là, on fera beaucoup plus court, quoi. Mais en tout cas, on traitera l'ensemble des sports mécaniques. Le côté inédit qu'on essaie de proposer toujours ici à Monte Carlo, vous allez chercher aussi des choses peu vues, rarement proposées dans le domaine de l'automobile, de la compétition? Des portraits, des portraits de pilotes, des atmosphères de moto. On va traiter l'immense éventail qu'il y a entre la Formule 1 et le karting, en passant par la Formule 3000. Tout ça. Enfin, sur la grille, il y a des émissions qui font tutut, d'autres pouet-pouet. Nous, on va faire vroom vroom tous les dimanches à 22h15. Alors, petit tour de chauffe pour regarder Tour de chauffe. Ça n'était que le générique.